Une victoire, mais pas de grande satisfaction pour les féminines de l'ES Pleskop Handball. En pleine reconstruction, suite à quelques départs, la formation pleskopaise s'est imposée 24 à 22 samedi soir face à Châteaulin. Si Pleskop conforte ainsi sa quatrième place en pré-national, son coach, arrivé au club il y a 6 mois, attend plus de ses joueuses. Je ne suis pas content de ce match. On a largement les moyens de faire mieux. Mais il faut que les filles en prennent conscience et qu'elles réagissent et vite. Les techniques, la façon de faire, elles ont, elles le font, elles travaillent très bien l'entraînement. Sauf que là, je ne sais pas. Depuis deux week-ends, entre le week-end dernier où on a eu une grave blessure et ce week-end où on n'est pas dedans, je ne sais pas. Ce défaut de motivation, le président Métayer le met sur le dos de l'inexpérience de sa très jeune formation. Bon, c'est une ossature assez jeune, donc je pense qu'il faut, on a quand même plus, on a 5 filles qui sont de 98, donc c'est leur première année en senior, donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps, faut pas aller trop vite et brûler les étapes. Si du côté du staff, on ne gardera pas un grand souvenir de cette rencontre, les joueuses, elles, veulent positiver, retenir les points forts et surtout la victoire. En défense, on n'a pas su trop se communiquer entre nous. On s'est un peu dissipé, on ne savait pas trop aller du fait que Pivot glissait derrière nous. Parce que nous, on a tendance à monter sur les joueuses pour les toucher. Après, comme je vous l'ai dit en deuxième temps, on s'est ressaisi et là, on a été combattantes. Donc ça a été le principal. Après, le reste, on oublie. J'aurais pu être plus contente, les filles aussi, notre coach aussi. Mais le principal, c'est qu'on ait gagné. Et, c'est ça qui fait qu'on garde le sourire quand même. À 4 petits points du leader Auray, Pleskop, qui compte un match en moins, va devoir désormais composer sans sa capitaine, qui quitte la région pour raisons professionnelles. Une pièce maîtresse qui pourrait faire défaut. Élément de réponse le week-end prochain avec un déplacement à Léon, match en retard de la 6e journée.